Ils ne peuvent pas imaginer l'inimaginable. Pourtant, c'est pour cela que je viens de prêter serment. C'est pour cela que je suis ici, mon bouquet à la main. C'est moi, Nicole, mannequin. Hé, hey, t'as vu le type là-bas? Le grand brun avec les yeux bleus. Non, celui qui prend un whisky au bar. Ouais. Ouh, c'est la vie comme dans les magazines. Plage, bronzage, Porsche, Jaguar, Ferrari. Et pour s'éclater, on s'éclate. On a souvent vu Jack Nicholson à nos soirées. Ici, les hommes ont le pouvoir de leur argent. Et les femmes, celui de leur beauté. Dis donc, Nicole, tu oublies que cet été, deux de la bande se sont tirés une balle dans la bouche. Ton truc, c'est les affaires. Mais c'est quoi les affaires, Jean-Michel ? Les affaires, c'est là où il y a beaucoup d'argent. Pas des trucs de prolo. J'ai plein de vide. Pourquoi je ne dis rien? Maman, je suis pute. Bonsoir. Betty est une fille amoureuse. Éperdument amoureuse. Une idiote dans mon genre. Les putes sont toutes amoureuses de leur mec. Comme Stella. Elle avait 18 ans, Stella. Elle était belle comme une passante de Baudelaire. Je deviens juge, juge assesseur et conseillère municipale. Je suis candidate à l'élection du maire. Râpé. Je me sens très bien dans ma peau de députée, mais les horaires ajoutés à ceux de mon métier de juge ne sont pas du tout adaptés à ceux d'une mère de famille. Il ne faut pas s'étonner qu'elles soient si peu nombreuses à faire de la politique, les mères de famille, alors qu'un homme sur deux est une femme.